je chante la team. Genre, je n'ai même plus à me tracasser. Comme avant, vous avez vu comment avant, là, je vous disais que oh, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ci, la team. Non. Manetou, maintenant, va partir aussi s'asseoir. Et on va sortir des trucs. On va créer des trucs. On va. Parce que la dernière chanson que j'ai faite, la chanson Je t'aime, maman, la team, c'était un peu. On a fait avec les moyens de bord. Maintenant, on aura le temps de se poser, d'aller en studio et de chanter, et de chanter, et de creuser des trucs, apporter des trucs, à nuancer des trucs. Et merci beaucoup, Lyon de Kiwi. Ah, la team. Franchement, j'étais très heureux. J'étais très, 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 très heureux. Donc, j'ai rendez-vous vendredi pour terminer avec ça. Et je suis très fier. Franchement, je suis très fier. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et big up à mon futur producteur. Merci beaucoup pour les encouragements. Merci pour la force. Franchement, c'est grâce à vous. Donc, je reviens. La deuxième nouvelle, c'est quoi? Bon. Vous savez que capturer, c'est très important. Vous savez que vous m'avez longtemps demandé de cuisiner. Vous avez longtemps dit, ma nature, montre-nous ton talent de cuisinier. Ma nature, tu cuisines, on veut te voir cuisiner, ma nature. On veut te voir faire un live où tu cuisines, ma nature. Franchement, pour Noël, je ne sais pas, Dieu a touché mon cœur. Dieu m'a dit, dans mes pensées, voilà, parce que c'est Dieu qui donne l'idée, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Donc, dans mes idées, voilà, Dieu m'a touché encore une fois de plus. Et il me dit, fils, aide ton prochain. Dieu m'a dit d'aider mon prochain. Donc moi, je me dis, ouais, comment est-ce que je peux aider mon prochain? Genre, how, what can I do to help my brother, my sister, what can I do? C'est donc par là que Dieu me touche encore et il me dit, ah ouais, tu peux faire un truc. J'ai dit quoi? Ma nature. Cuisine et fais manger les gens. Cuisine et partage de la nourriture. JD, my bro. What's up? Je suis pas Dave, mon gars, calme-toi, je suis pas Dave. Dieu, il me dit, ma nature, cuisine et fais manger les gens. Prépare et partage. Partage la nourriture. Partage, ma nature. Faire un truc. C'est par là que je me suis dit, ah ouais, Pour Noël qui vient là, on va faire un live spécial où je vais cuisiner devant vous. On va préparer ensemble. C'est-à-dire, vous restez seulement chez vous là, vous balancez le téléphone, vous regardez, je vous donne l'astuce, comment est-ce que moi je prépare. Et dès que je finis de préparer, je m'en vais encore devant vous en live. Je vais marcher devant vous et je vais distribuer de la nourriture aux gens. Ah oui, c'est important. Il y a plein de gens là dehors qui meurent de froid à cette période d'hiver. Parce que là, il fait froid. Il fait vraiment froid. Et venez les apporter un petit confort, un petit geste. C'est vrai, on n'a pas beaucoup. On n'est pas milliardaire, on n'est pas millionnaire. Mais je me dis que si tu donnes, tu recevras. Si tu donnes avec amour, tu recevras. Et pour moi, ma façon de dire merci à Dieu pour cette fin d'année, c'est d'aller, de cuisiner de mes propres mains. Je n'ai pas dit aller acheter la nourriture que les gens ont faite. Non, je ne m'en vais pas acheter. Je m'en vais, j'achète, je cuisine de mes propres mains. Je mets ma propre bénédiction à l'intérieur. Je mets mon travail à l'intérieur. Je mets mes efforts à l'intérieur. Je mets ma transpiration, le souffle d'énergie. Je mets tout à l'intérieur pour aller sourire avec eux, avec ces enfants-là qui dorment dans la rue, avec ces mamans-là qui dorment dans la rue. Peu importe, je cuisine et je m'en vais, je partage. Donc, pour tous ceux qui sont en Belgique, à Bruxelles, et qui aimeraient apporter le soutien pour ce moment précieux, parce que tout ça va se passer la semaine prochaine, samedi prochain, je vais sortir l'affiche, vous allez voir, ma nature cuisine pour les SDF. Pour les sans domicile fixe, communément dit, pour les sans-abri. Donc, je vais cuisiner et je vais marcher dans les rues de Bruxelles et je vais partager jusqu'à ce que la nourriture finisse. Donc, s'il y a des mamans, des tatas
qui sont à Bruxelles, en Belgique, vous avez que ce soit les vestes, parce qu'il fait froid, que ce soit les vestes, les t-shirts, les couettes, les trucs que vous n'utilisez pas, contactez-moi actuellement sur TikTok ou vous venez me contacter sur Instagram. Vous me dites, Manatu, j'aimerais assister, j'aimerais aider, je fais comment? Manatu, j'aimerais apporter mon soutien, je fais comment? Voilà, pour qu'on puisse ensemble rassembler tout ça, mettre dans la voiture. Et quand je m'en vais voir ces mamans, ces personnes qui sont à l'extérieur et tout, si je vois peut-être un enfant, je prends peut-être la couette, je dis que ok maman, si je vois peut-être une maman avec un enfant, parce que je vais beaucoup plus privilégier les mamans ou les papas avec les enfants. Si je vois un papa avec l'enfant, je peux peut-être donner une couette, si vous avez la couette. Des vestes, si vous avez des vestes. Des vêtements, si vous avez des vêtements. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et pour ceux qui aimeraient que ce soit plus officiel, si vous avez des agences, des associations qui aident généralement pour ce genre de moment, contactez-moi sur par mail manature237@gmail.com et je vais vous répondre pour qu'on puisse rendre ce moment beau. C'est vrai que je n'ai pas laissé longtemps. Je n'ai pas dit genre on aura 2 semaines pour préparer le truc, on aura 3 semaines. Non, on a 1 semaine, mais je pense que... Mais je crois en nous. Je crois qu'en 1 semaine, on peut et on pourra faire des merveilles pour ces gens. On pourra aussi dire gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce souffle de vie, merci Seigneur pour cette reconnaissance, merci Seigneur pour l'amour, merci Seigneur pour la place que tu me donnes, parce que Dieu m'a beaucoup élevé en 2023. Dieu m'a largement élevé en 2023. Donc j'aimerais aussi lui rendre hommage à travers ce geste. Et vous aussi, si vous aimeriez participer, franchement, contactez-moi inbox, écrivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je répète l'adresse, s'il vous plaît. Essayez d'épingler l'adresse. manature237@gmail.com. Aussi, s'il te plaît, mon fils, je ne sais pas, là-bas en Belgique, renseigne-toi à la... Oui, maman, ce genre de geste, je l'ai déjà fait. C'est un geste, franchement, genre très caritatif et tout. Mais je n'aime pas en code d'association, je le fais genre de plein gré. Donc, voilà. Je me suis renseigné aussi auprès de mes amis qui ont déjà eu aussi à faire cela. Moi, j'ai déjà fait ça, mais très petit, avec peu. Mais là, maintenant, j'ai vraiment envie de faire un truc un peu spécial, quoi. Donc, contactez-moi inbox. Essayez d'épingler le mail, s'il vous plaît. manature237@gmail.com. Manature237. Ok, maman, je vais regarder ça aussi. manature237@gmail.com. Contactez-moi inbox si vous avez besoin de renseignements ou quoi que ce soit. Si vous aimeriez partager, si vous aimeriez parler, assister, aider avec ce que vous avez et tout. Donc, la team, ça sera avec grand plaisir. Oui, vous me demandez de demander à la mairie, sauf que ici en Belgique, j'ai déjà vu plein de jeunes qui ont... Franchement, quand tu es indépendant, ici en Belgique, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Si tu viens vraiment de lancer, ça ne dérange pas. C'est que si tu veux vraiment faire un truc avec plein d'associations mélangées et tout, c'est où je pense que ça va commencer un peu à... Il y aura des procédures, des trucs à faire. Mais si tu es vraiment jeune, que tu fais avec tes propres efforts, que tu fais avec tes propres moyens, dès que tu donnes et que la personne accepte, tant mieux. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, les mamans, merci beaucoup. Essayez tout simplement juste de me contacter. Rendons la chose plus belle. Et à compter d'aujourd'hui, les matchs. Pour ceux qui... Ne vous inquiétez pas, je vais me renseigner les mamans. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de me contacter aussi dessus pour avoir des autorisations. J'ai des personnes qui peuvent mieux m'édifier pour ça. J'ai des personnes qui pourront mieux m'édifier pour ça. Oui, aussi, deux. Ok, d'accord, sans souci, je comprends mieux. Deux. Pour cet événement, à partir d'aujourd'hui, les matchs qu'on va faire aujourd'hui, oui, pour la sécurité, d'accord, sans souci, je vais me renseigner les mamans. Ne vous inquiétez pas pour ça. À partir d'aujourd'hui, tous les matchs qu'on va faire, la team, on va rassembler. On va rassembler pour eux. La team, on va rassembler tous les matchs qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui jusqu'à ce jour, ça sera pour cet événement précis. C'est-à-dire, je collecte. S'il y a moyen d'acheter des vestes, j'achète aussi des vestes pour compléter. S'il y a moyen d'acheter des vêtements, j'achète des vêtements, des petits trucs et tout pour compléter. Voilà. Et ensemble, on va essayer de propulser l'idée très très loin, en avant. Et voilà la team. Franchement, merci beaucoup. C'était ce que j'avais à vous annoncer. Et c'est avec grand plaisir.
Donc, je suis hyper, hyper, hyper heureux. Et je dis encore un grand merci à Tata Flore. Tata Flore, grand merci. Que Dieu te bénisse, Tata Flore. Que Dieu te récompense au maximum. Merci beaucoup. Les autres mamans, je vous invite aussi à faire pareil. Suivons la musique. Écoutons. Si vous avez des renseignements, des amis que vous savez qu'ils font dans les trucs et tout, suivons le geste ensemble. Tata Flore.